permet de faire un petit clip de présentation de mon intervention qui aura lieu dimanche au CLIC en début d'après-midi vers 14h. L'idée du CLIC, c'est de rassembler tous ceux qui travaillent autour de la classe inversée, des pédagogies actives. Et donc moi je suis évidemment à mon petit niveau acteur et partisan de ces pédagogies-là, de ces stratégies-là qui rendent l'élève acteur de ses apprentissages, qui permettent aux élèves de travailler en groupe, etc. Plein de conférences, d'intervenants, d'ateliers auront lieu autour du CLIC sur ces questions-là. Ce sera un moment riche et chouette et j'invite ceux qui hésitent évidemment à y aller. Pour mon premier CLIC, moi en 2016, j'avais eu cette petite formule, j'avais dit que j'avais vraiment pris une claque et que ça avait été un déclic véritablement pour moi. Cette fois-ci, j'y reviens avec une proposition de conférence pour ce qui me semble être important, qui est le deuxième pan de l'ensemble de notre pédagogie, c'est-à-dire le système d'évaluation. Le système d'évaluation en France, il est sommatif et noté sur 20. Donc il est sommatif ordinal et cardinal, on pourrait dire, c'est-à-dire cardinal parce qu'il est chiffré avec, sur une échelle extrêmement importante, et ordinal parce qu'il amène à des classements, il permet d'hierarchiser les élèves. Et les évaluations sommatives, puisque c'est une sorte de fusil à un coup, on prend une photo à un moment donné, à partir de ça, on va tirer un bilan. Et je pense que ces trois problèmes-là, ces trois critères de notre système d'évaluation, eh bien, sont plus adaptés à la massification qu'on a de l'enseignement aujourd'hui, aux difficultés qu'on a avec le public qu'on rencontre, et précisément quand on change sa pédagogie, qu'on réfléchit à rendre l'élève acteur de ses apprentissages, eh bien, il me semble important de réfléchir à le rendre aussi acteur de ses évaluations, et de réfléchir à d'autres formes d'évaluation, pas simplement sommatives, et d'autres critères pour évaluer que de mettre simplement un nombre sur une copie. Donc c'est tout ça dont je vous invite à discuter dimanche à 14h au CLIC. Et si vous hésitez, indépendamment de cette conférence-là, de cette modeste petite conférence, n'hésitez pas, venez au CLIC, vous allez voir ce que vous allez voir. À très bientôt.